Mvuka ya ntimanti, afelika jampa di finamene tuwa, kabu di abakeluba. Uluzorua matanda wa mungu tulendo, makanda mava muswa mafutu kayotama, osa weni na ninga masina makikulu, kongo ya bakongo ya futuka kongo. Uluzorua matanda wa mungu tulendo, makanda mava muswa mafutu kayotama, osa weni na ninga masina makikulu, kongo ya bakongo ya futuka kongo. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo, ipanda kia kongo ye kibuka kia timati. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo, kongo ya ba kongo ya futuka kongo. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo, ipanda kia kongo ye kibuka kia timati. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo, kongo ya ba kongo ya futuka kongo. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Zaku zaku na zantu zato sida katula. Ulu solo lwa batata mafungu tulendo. Siku mirazone za kwanza sina tungwa. Yevuka na mukivuka kia timati. Zaku zaku na zantu zato sida katula. Ulu solo lwa batata mafungu tulendo. Siku mirazone za kwanza sina tungwa. Yevuka na mukivuka kia timati. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Siku minazole za mpanza sina tungwa. Kongo kuima kambu bengela kuwa kuzami. Oyo makatanga kifungu bangi chwapa. Kasa imu kifuka kia timati. Siku minazole za mpanza sina tungwa. Kongo kuima kambu bengela kuwa kuzami. Oyo makatanga kifungu bangi chwapa. Kasa imu kifuka kia timati. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa. Afelika ya pa, Afelika, ya pa nina mene tuwa. Afelika, Afelika.
Merci, merci, merci beaucoup. La technique avec cette belle chanson, l'Afrique sera construite à l'image de l'Ekipata, donc de l'Égypte antique. Voilà, nous sommes là comme d'habitude au rendez-vous, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche le 14 décembre. 2022. Il est presque 15h41 minutes sur notre plateau de Congo Bololo. Et voilà, c'est votre humble serviteur, comme d'habitude, Mbuta Bopire Bobala, qui veut dire tout simplement c'est bon de parler. Effectivement, c'est bon de parler. En tout cas, mes chers amis, je vous ai amené donc un message crucial du grand maître Nemo Ndansemi. Donc, aux évêques et pasteurs, n'est-ce pas, africains, ces messages les concernent. Voilà, mes chers amis, en tout cas, je suis très contente, je suis vraiment très heureux, en tout cas, de vous raconter encore une fois de plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous savons très bien que le dimanche est consacré, je vais dire, tout simplement, pour les christianiser, hein, les gens qu'on a enlevés, n'est-ce pas, à leur spiritualité, alors, donc, voilà. Ils sont allés dans les églises pour prier, et voilà, comme vous le savez, mes chers amis. Bon, voilà, nous sommes là, en tout cas pour faire réveiller la conscience des Africains qui se laissent manipuler par les missionnaires, voilà. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je vous ai amené tout simplement un message crucial du grand maître Nemo Ndansemi aux pasteurs et aux évêques africains. Voilà, nous sommes là pour vous pendant 30 minutes, peut-être moins de 30 minutes, parce que c'est un message que le grand maître a envoyé, n'est-ce pas, aux évêques et aux pasteurs. Donc, ce message est inscrit dans le livre intitulé « Donc, les ennemis de notre culture ». Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, n'hésitez pas donc à partager le Congo Bololo à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas aussi de vous abonner, parce que c'est le seul service que vous pouvez rendre, n'est-ce pas, à Congo Bololo, pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous mettre à l'abri, n'est-ce pas, le genre de mauvais cœur, le mauvais cœur. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, nous, sans plus tarder, nous allons plus vite, n'est-ce pas, à la technique, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous donner l'image de ces messages que le grand maître Nemo Ndansemi a envoyé, n'est-ce pas, aux évêques et aux pasteurs africains. Voilà, merci beaucoup, voilà, l'image est déjà là, comme ça je vais commencer tout simplement la lecture, hein, pour au plaisir, n'est-ce pas, de tous les évêques et pasteurs qui vont vraiment nous suivre cet après-midi, voilà. Voilà les messages du grand maître Nemo Ndansemi aux pasteurs et aux évêques africains. Aux évêques et pasteurs africains. À vous, évêques et pasteurs africains, je n'ai rien contre vous, car vous êtes mes frères, mes concitoyens. Ah oui. L'archange du Congo, Nemanda Congo, m'a donné beaucoup de secrets pour que je puisse les confier aux religieux africains. Car aucune église étrangère ne peut consentir de vous donner, vous, les Africains, ce qui vous rendra réellement fort et opérationnel sur le plan mondial. Jusqu'à présent, vous ne faites que jouer le rôle d'agent subalterne chargé d'exécuter le plan diabolique des agents du néocolonialisme déguisé en serviteur de Jésus. Et cela au détriment de votre peuple, de l'Afrique, donc de vous-même. Certains parmi vous m'ont injurié et m'ont attaqué de la façon que vous connaissez le jour et la nuit. Mais soyez rassurés que j'ai tout pardonné, car mon cœur est le cœur d'un divin.
frère aîné qui connaît les faiblesses des humains non encore libérés spirituellement. Mais si vous persistez dans votre refus de collaborer avec moi, je finirai par donner toutes les clés qui m'ont été confiées pour vous aux jeunes qui me suivent et qui finiront par devenir plus puissants et plus performants que vous, et cela par votre faute. Entre nous, Africains, nous pouvons facilement nous entendre si vous parvenez de vous placer à l'abri de l'influence des missionnaires dont la mission en Afrique a été définie par le roi Léopold II et M. Rankin, le ministre des colonies. Ce sont des agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, évêques et pasteurs, ce sont des agents du néocolonialisme. Ils sont là, donc, déguisés, donc, en serviteurs de Jésus, mes chers amis. Ah là là, c'est pitié. C'est pitié aux évêques africains, ils ne savent rien. Et voilà, moi, je ne fais que transmettre les messages. Alors, aux évêques et pasteurs africains, quelle est la mission de Bounou Diakon? Voici la mission de Bounou Diakon. L'archange du Congo, le mandat Congo, a dit que tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné tôt ou tard. Ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Voilà le message de l'archange Nemanda Congo. Or, à cause du travail des morts et autres missionnaires chrétiens, le peuple négro-africain est en voie de déracinement total dans tous les domaines du peuple africain. Dans tous les domaines. Ah oui. Tout ce qui fait la fierté et la spécificité du peuple négro-africain est en voie de disparition, s'il vous plaît, mes chers amis. Notre passé, nos langues, nos génies, notre culture, notre tradition religieuse, notre personnalité propre à nous, notre authenticité est en voie de disparaître. C'est pourquoi Bounou Diakongo travaille pour amener le peuple négro-africain à renouer avec ses sources, à réhabiliter notre culture, nos ancêtres, notre langue, notre histoire, notre personnalité propre, notre authenticité négro-africaine. Notre authenticité négro-africaine, voulue par Dieu dans le cadre de la diversité des créatures de l'univers. Ah oui. Ce travail de Bounou Diakongo ne plaît pas à mort et autres agents de néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus. Ah oui. Ainsi, pour lui permettre d'établir un plan destiné à combattre Bounou Diakongo, le missionnaire américain, mort a confectionné un questionnaire destiné à l'aider à obtenir les informations dont il a besoin pour accomplir
la mission pour laquelle l'Amérique lui a envoyé en Afrique, au Congo, en RDC. Le chef de Bunyuli à Congo avait déjà écrit, donc à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, enfin de l'informer des activités néfastes de mort au Congo central. Voilà la mission, c'est ça. Mais, encouragé par Nakiaswama, Moore continue son œuvre missionnaire en attendant que le travail de Moore provoque une guerre civile entre nègres, alors seulement son pays va lui envoyer un avion et des militaires pour venir le protéger et le ramener aux USA. En laissant alors à ce moment-là, les Noirs sont tués entre eux par la faute des missionnaires qui a provoqué tout cela. Paraît-il au nom de Jésus. Ah voilà. Les questionnaires que Moore a confiés à ses valets africains s'appellent travail de recherche sur le Bunyuli à Congo. Ainsi donc, au lieu de s'occuper de sa Bible, Moore passe son temps à combattre Bunyuli à Congo, qui est le gardien du patrimoine culturel de la race noire mondiale. Voici les documents confectionnés par Moore et transmis à Bunyuli à Congo par un pasteur qui a assisté à ce Lukutukunu qui a duré 16 jours, je vais dire, dont 11 jours ont été réservés au dossier Bunyuli à Congo. Au lieu de parler de la Bible, il passe le temps à parler de Bunyuli à Congo au nom de Jésus. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est par milliers que le négro-africain continue à quitter le christianisme colonial pour aller adhérer à Bunyuli à Congo. En 1993, Bunyuli à Congo et l'église kimbanguiste sont sortis premiers du point de vue œuvre utile accomplie au Congo central. Le jury des sages qui a siégé pour l'année 1994 a encore proclamé Bunyuli à Congo et l'église kimbanguiste premier du point de vue du travail accompli et de son impact sur la conscience de la population Congo centrale. Tout ceci ne plaît pas donc à Monsieur Moore. Tout ceci ne plaît pas donc aux agents des néocolonialistes déguisés en serviteur de Jésus. Car qui dit Bunyuli à Congo dit indépendance spirituelle, culturelle de l'Afrique. Donc voilà, Bunyuli à Congo, Infumutoto Oku Congo. Voilà, mes chers amis, ça c'était un message que le grand maître Nemanda Nsemi a envoyé donc aux évêques et pasteurs, donc chrétiens en Afrique. Ce message, j'aimerais bien à ce que tout le monde puisse, n'est-ce pas, envoyer à tous les évêques et pasteurs qui passent leur temps à suivre, n'est-ce pas, les missionnaires chrétiens dont leur travail tout simplement. Donc, détruit notre culture, détruit notre langue, détruit de couper les liens avec nos ancêtres, etc. Donc, voilà le message du grand maître Nemanda Nsemi, langue à Congo, l'instructeur du Sud aux évêques et pasteurs. Alors, à bon entendeur, Sali et aux pasteurs de prendre, n'est-ce pas, conscience, de prendre connaissance de ces messages, car il est temps
d'abandonner, n'est-ce pas, toutes ces églises coloniales qui font que nous réduire, donc, en néant, donc, qui fait que nous puissions tout simplement abandonner nos ancêtres, tourner les dos à nos ancêtres, abandonner nos langues, abandonner notre culture. Voilà, en tout cas, mes chers amis, ça, c'était un message que je voudrais donc vous relier du grand maître Neumann Rassemi aux évêques et pasteurs. Merci à tous. Partagez ce Congo Bololo, partagez ce message aux évêques et pasteurs pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce grand message. Voilà, là, il est temps maintenant que les Noirs puissent récupérer sa propre authenticité, sa propre culture, sa propre donc ses ancêtres, je vais dire, et voilà, au lieu de continuer donc à adorer les ancêtres des autres tout le temps après Abraham, tout le temps, donc appeler donc le génie superviseur des autres, Yahweh, tout en croyant que c'est un Dieu créateur et pourtant c'était tout simplement un génie superviseur du monde d'Israël. Voilà, merci beaucoup mes chers amis. En tout cas, à nous revoir prochainement dans un prochain numéro. Et voilà, c'était pour vous l'ambassadeur Boutabopirobala qui veut dire tout simplement ce bon de parler. Voilà, je vous laisse avec ce morceau musical de Bondodia Congo. Écoutez-moi ça. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres de Mandassemi et protège les terres africaines. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors écoutez-moi ça, cette belle chanson. Amor, tu cor, 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 am
on rend fort difficile. Et la basse Always.